Ah, en garde. Champion du monde d'escrime. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? En plus, c'est le masque de Batinov. Vas-y, il est pas là, Batinov. Laisse-moi tranquille. Quoi? На здоровье, спасибо. Водка. Salut les astros, c'est Ludo. Bon, je cède. On m'a demandé tellement de fois que je suis obligé de faire une vidéo qui traite du sujet. Le masque de Batinov. Alors, à quoi que ça sert? Peut-être êtes-vous déjà rentré d'une soirée astro avec près d'une centaine de photos pour constater qu'il manquait le petit coup de millimètre, là, le petit millimètre sur la roulette, là, sur la molette, pour avoir la mise au point impeccable. Finalement, vous prenez tout et vous jetez en jurant au grand jamais que on vous y reprendra plus. Moi encore, j'ai une araignée sur le Newton, ça fait des aigrettes et on arrive à trouver voilà, la bonne mise au point en alignant les aigrettes. Encore faut-il que l'étoile soit assez brillante. Mais pour ceux qui ont un Schmitt ou une lunette, il n'y a pas d'aigrettes et des fois c'est pas évident. D'où le masque de Batinov. Alors Pavel Batinov, hein, le nom de son inventeur, a mis ça au point en 2008, hein, vous voyez, c'est tout récent. Avant lui, on utilisait le masque de Hartmann. Je crois que d'ailleurs le masque de Hartmann est toujours utilisé sur les gros télescopes. Alors comment que ça marche? Bah, écoutez, vous mettez ça à l'avant de votre télescope et les stries à travers le masque là vont créer une diffraction de la lumière. Ce qui va vous afficher sur votre image, donc que ce soit le réflexe ou votre caméra, des aigrettes. Et on va se servir de ces aigrettes pour faire la mise au point. Donc vous voyez, vous avez un sens, deux sens, trois sens, d'où six aigrettes. Donc il y a plein de styles Batinov différents. La plupart sont pleins parce qu'on l'utilise soit sur les Schmitt ou sur les lunettes. Mais sur les Newton, on a un miroir secondaire. Bon après, ça gêne pas qu'il soit plein sur un Newton. Mais bon, moi j'avais un modèle avec un trou. Donc oui, celui-ci a été imprimé. Donc merci Olivier d'ailleurs. J'ai été télécharger le modèle sur Internet. Je lui ai envoyé, il me l'a imprimé en 3D. En 3D, enfin en imprimante avec une imprimante 3D. Donc voilà, ça fait des économies. Donc à titre d'info, je vais vous mettre dans les descriptifs un lien vers un site internet dans lequel vous avez juste à rentrer l'ouverture, le diamètre de votre télescope, et il vous fait télécharger un modèle de Batinov. Alors c'est du point SVG. Alors après, vous le traitez comme vous pouvez. Moi je l'ai pris, je l'ai imprimé. Il n'est pas totalement au bon diamètre. Après, il y en a ce qu'ils font, c'est que j'ai même vu une boîte de camembert, vous savez, les grandes boîtes de camembert de Brie, là, le couvercle, ils découpent, ils mettent ça dedans, et c'est pile poil, je crois, le diamètre du 200, mais bon, à vérifier. Sinon, bah, libre à vous, hein, vous mettez de la mousse, vous mettez un peu ce que vous voulez pour pouvoir le tenir. Moi, étant donné qu'il y a le trou avec le miroir secondaire, bah, j'ai juste à le poser et ça suffit amplement. Vous pouvez également faire un en carton. Hein. Vous imprimez le modèle via le lien que je vous mets. Vous collez ça sur un carton. Vous découpez au cutter les stries. Et ça va très très bien. Hein. Voilà. Donc dans le même principe, il n'y a pas que le Batinov. Hein. Batinov n'a pas inventé le principe. Il a juste inventé ce modèle-là. Qui est vraiment maintenant le plus utilisé. Je sais que pour les gros télescopes, on utilise encore le masque de Hartmann. Qui est, on va dire, un peu sur le même principe, sauf qu'il est plein avec des trous. Et lorsque vous faites la mise au point, donc vous avez tous les trous, et puis au fur et à mesure que vous faites la mise au point, vous avez tous les trous qui se regroupent. Et lorsque vous n'avez plus qu'un trou sur votre image, bah, c'est que la mise au point est faite. Voilà. Et le masque de carré, je ne l'ai jamais vu, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais que j'en ai vu aussi des masques avec des triangles, alors c'est pareil, sur le même principe. Voilà. C'est géométrique, et puis une fois que ça fait la forme, et ben, la mise au point est bonne. Mais bon, ce que j'aime bien avec le Batinov, c'est que c'est assez parlant, l'image est assez parlante. Vous avez juste à mettre la ligne au milieu du X et vous savez que c'est bon. Alors après, c'est pas parce que vous mettez un Batinov que l'image va être nette de chez net. Hein. Il faut quand même mettre la ligne très précisément au centre. Hein. C'est pas grosso merdo, quoi. Hein. Je vous propose qu'on sorte et qu'on aille tester ça sur le terrain.
Généralement, on fixe une étoile, on va zoomer avec le live view, et puis on va s'apercevoir que là, elle n'est pas mise au point, donc on va bouger doucement. Donc moi, j'ai un découpleur sur ma Crawford, c'est-à-dire sur mon réglage, on va dire, qui me permet de démultiplier par 10 la molette. Et donc, on aperçoit, donc je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, on aperçoit les aigrettes. Et donc, on va essayer de faire coller les aigrettes. Alors, généralement, je le fais avant, c'est-à-dire je fixe une étoile assez brillante, je fais ma mise au point et après, je vais viser l'objet en question. Mais quelquefois, ce n'est pas évident hein, quand même. On essaye de savoir. Alors, peut-être que là, c'est bon. Non, là, c'est pas bon. Donc, on va faire une petite pause. On fait une petite pause de 10 secondes. Ah merde, j'ai mis 10 secondes de retardement. Bon. Là, ça doit être pas mal. Là. Donc en fait, les aigrettes se dédoublent. On essaye de les coller. Une fois que l'aigrette ne forme plus qu'un, normalement, la mise au point est optimum. Mais bon, des fois, ça, c'est pas très très clair. Bon, là, c'est un appareil photo défiltré. C'est pour ça que l'appareil apparaît, l'étoile apparaît bien rouge. Donc si on reprend la photo et qu'on zoome, est-ce que c'est net ? Bon ben j'ai de la chance, c'est net de chez net. Donc maintenant avec le Batinoff. Donc je mets le Batinoff devant. Je zoome. Et là vous voyez, donc effectivement, lorsque je bouge la mise au point, on a l'aigrette du centre qui se décale par rapport aux autres. Voilà. Et on a juste à la mettre pile poil au milieu. Voilà. Voilà. Donc là, je sais que c'est nickel. On verra mieux. Voilà. Là, vous avez vu, le trait central est vraiment au milieu du X. Et donc là, ma mise au point, je sais qu'elle est optimum. Je peux retirer mon Batinoff. Vous allez voir, dès que je le retire, hop, on n'a plus. Là, je peux partir sur une pause. Voilà, Arcturus, une géante rouge sur le point d'exploser. Donc là, l'appareil en rouge parce que l'appareil photo est défiltré. Mais bon, toutes les étoiles derrière sont nettes. Tout est net. Monsieur Batinoff, merci. Alors j'espère que tout comme moi, vous avez pu profiter un petit peu des beaux jours, sans lune. Ah oui. La lune, j'aime plus, je vous la laisse. Donc moi, j'ai fait plus de galaxies et j'ai fait aussi une photo sur l'amas d'Hercule en essayant une petite technique que j'essaye d'affiner pour vous présenter ça la prochaine fois. Enfin, la prochaine fois. Voilà. Ah oui, et donc il y a eu le, on va dire, M51 deuxième round. Ou la revanche, on peut dire la revanche, mais il y aura une belle. Ouais, ça me plaît pas. On peut faire mieux. Je vous remercie quand même de me suivre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. La cloche, ticket resto, etc. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.